Méditation du 26 décembre, le salpêtre de la mer. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Apocalypse 21, le verset 4. Quelle est la première chose que vous aimeriez faire en arrivant au ciel? Peut-être serrer Jésus dans vos bras ou chercher les êtres chers que vous avez perdus à cause de la mort? Et après cela, avez-vous pensé à ce que ce sera de vivre sur la nouvelle terre? Il y a quelques mois, j'ai commencé à poser ces questions à mes amis et j'ai obtenu des réponses surprenantes. Mon ami Tinou, qui est ingénieur en informatique, m'a dit qu'il voulait découvrir comment Dieu stocke toutes les informations. Je n'aurais jamais pensé à une telle chose. Mais Tino est fasciné par cette question. J'imagine que Dieu a un cloud à la capacité illimitée. Une autre amie m'a dit qu'elle voulait avoir sa propre meute de loups. Et moi, j'aimerais pouvoir comprendre le langage des animaux. L'auteur Johnny Erickson Tada, qui a eu dans sa jeunesse une fracture des cervicales qui l'a rendu tétraplégique pour le restant de ses jours, déclare dans son livre Heaven, Paradis, que l'une des grandes joies du ciel sera de recevoir un corps glorifié et immortel. Un jour, il n'y aura plus de gros ventres, ni de têtes chauves. Il n'y aura plus de varices, ni de pattes d'oie. Il n'y aura plus de cellulite, ni de bas élastique. Oubliez les cuisses et les hanches larges, un saut rapide par-dessus la tombe et vous aurez le corps dont vous avez toujours rêvé, en excellente condition physique, svelte et sans rides. Je suis convaincu que nous ne passons pas assez de temps à penser au ciel et à en parler. Quand mes sœurs et moi étions enfants, le meilleur moment de l'année pour ma mère était quand nous allions en vacances à la plage. Elle commençait à faire ses bagages plusieurs semaines à l'avance pour anticiper l'aventure. Les yeux de ma mère étaient fixés sur la mer et elle pouvait presque sentir l'odeur du salpêtre, même si nous transpirions dans la ville chaude de Buenos Aires. J'avoue que lorsque j'étais enfant, son impatience m'amusait. Maman mettait parfois dans la valise des choses dont nous avions encore besoin. Mais maintenant, je la comprends. Elle aspirait à voir la mer, à entendre le cri des mouettes et à jouir du repos en famille. Je veux aspirer au ciel comme cela. Prière, Seigneur, merci pour l'espérance du ciel. Imprègne mon esprit et mon imagination des couleurs, des bruits et des odeurs du ciel. Je veux vivre chaque jour en aspirant au véritable foyer. Amen. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.